Et oui, bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session de grattage avec donc la présentation du nouveau ticket à 5 euros, le Maxi Blackjack. Donc un ticket qui a exactement le même design que le ticket original à 2 euros. Il y a des jeux à gratter et si un de nos jeux est supérieur à la banque, on remporte le gain associé. Et pour le numéro 21, pareil, si on le découvre, on double le montant associé. Mais la petite différence, c'est qu'effectivement, en cas de gain remporté, on peut tenter de booster ce gain par le jeu digital. Donc, on va voir ce que ça va donner dans un premier temps, étant donné que la chance n'était pas au rendez-vous le mois précédent. On va pas être trop gourmand si d'aventure on obtenait un gain. On va voir ce qu'on va faire. Et donc, pour objectif, évidemment, espérer remporter sur un des deux tickets. Allez, c'est parti. Allez, un petit zoom. Est-ce qu'on va faire aussi bien que la précédente vidéo concernant les tickets à gratter, hein, le crescendo? Je vous rappelle, on a eu un très joli gain de 30 euros sur 3 tickets achetés, donc c'est assez rentable quand même. Allez, c'est parti pour le jeu numéro 1, on va gratter. On va pas gratter la banque tout de suite, quoique, je sais pas, j'hésite. Non, on va gratter d'abord les jeux, tout du moins la première ligne. Alors le gain est en dessous, bien sûr, on va essayer de pas le dévoiler, donc le 13. Le 10, donc voilà, les montants sont moins élevés forcément puisqu'il y a plus de jeux. Le 16, donc on va gratter la banque maintenant. Le 18, donc il faut 19, 20 ou 21. On peut remporter plusieurs fois le gain également. Alors le 11, non. 14, non. 9, non. Donc ça descend quand même assez bas. On n'a pas l'habitude de valeurs comme celle-ci. Je crois que le minimum, c'est 14 ou 13, je crois, sur les tickets à 2 euros, il me semble. 11, non. 17, dommage, t'es pas loin. 8, non. Et dernière petite chance, le 8 aussi. Ah, dommage. Donc, on a deux cartes de même valeur. Donc, le premier ticket est perdant, malheureusement. Donc, ça va très vite, en fait, pour des tickets à 5 euros. Ça va quand même assez vite. Donc, le deuxième, bah, maintenant, on n'a plus trop le choix. Allez, on va gratter la banque en espérant que ce soit pas 20. 17, ok. Donc, pourquoi pas gagner sur ce ticket. 13, non. 15, non plus. 12, non. 8, non. 10, non. Bon, ils se sont pas foulés sur la présentation. Hein. C'est exactement la même chose. Le 9, non. 13, non. Ouais, c'est très mal parti. 16, dommage, on n'est pas loin. Allez, on a encore une petite chance. 12, non. 15, non plus. 14, non. Bon, voilà. À moins d'un miracle, je pense pas qu'on va gagner quelque chose, à moins que je me trompe. Allez, si on peut avoir... Ah bah non, bah c'est fini. Bah c'est déjà fini. Ça va quand même très vite pour des tickets à 5 euros quand même. Il n'y a pas beaucoup de suspense en fait. J'aurais remporté 5 euros, peut-être que j'aurais tenté de booster ce gain, mais voilà. La malchance en a décidé autrement, donc rien sur ces tickets, malheureusement. Donc vidéo assez courte. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez eu de la chance sur ce ticket. Et si vous avez éventuellement boosté pour tenter de gagner plus. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bon, ce n'est que le début, hein. On espère évidemment se rattraper très vite pour principalement des sessions de machines à sous. Bonne journée à tous. Bye!